Monsieur Gosselin, vous êtes la personne qui connaissez mieux les machines Kaguan de tous ceux que je connaisse parce que vous les avez toutes eues. Je repensais à ça, moi, depuis... Ça fait combien d'années que vous avez de ces machines-là? On parle-tu d'une quinzaine d'années? C'est dans les tout débuts. Ah, depuis le début? Depuis le début, vous avez commencé avec ça. C'est même pas vous qui me l'aviez vendu. Ah non, c'était un employé, ben oui. On parle de quoi? C'est une quinzaine d'années, certainement. Au moins. Au moins, pour pas dire 20 ans. C'est ça. Puis là, vous avez passé par... Je pensais à ça. Vous avez passé par tous les modèles. Toutes. En commençant par la profileuse, les premières Speed Sharpener, deuxième version, troisième, quatrième version de Speed Sharpener. Après ça, les spinners. Après ça, tout ça. Puis pour moi, vous êtes une personne crédible. Vous ne chantez pas de romance. J'ai une question à vous poser. La question qui tue. Monsieur Gosselin, pourquoi ces machines-là, ça fait bien pour un aréna? Maudite bonne question. Mais surtout, la dernière affaire là, avec les... Regarde, on ne peut plus se tromper. Là. On ne peut plus se tromper. Et l'employé, là, même s'il fait sa job vite, là, je veux dire, c'est toujours droit. Parce que votre diamant, là, il est toujours là, il est toujours à fixe. On n'y va pas avec un tassé selon l'épaisseur de la lame. Alors, ah bon? Votre lame est toujours centrée. Puis, c'est pour ça. Moi. Ben, c'est ce que je veux savoir. Monsieur Gosselin, fait que merci énormément. Vous allez faire avec ça.